Salut à tous et à toutes, c'est Blade. Aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 22 de Boruto qui est sorti fin mars et dont je voulais absolument vous en parler car ce chapitre était juste incroyable. Mais avant cela, je vais vous parler de ce qui s'est passé, on va dire, depuis les chapitres, depuis le chapitre 20, parce que Boruto a pris une tournure dont je ne pensais pas qu'il y aurait une telle tournure vraiment incroyable. Parce que, je vous l'accorde, depuis les chapitres 12-13 avec l'histoire de la protection du fils du Daimyo, les histoires de cartes, c'était pas passionnant, c'était long à la rallonge. Depuis chapitre 20, où on nous a un peu introduit Katasuke, qui a été mis en avant en plus de Boruto, Mitsuki, Sarada et Konohamaru. Franchement, je vais vous dire un truc. Il s'est passé vraiment un truc de dingue au chapitre 20. Déjà, bon, on nous introduit de plus en plus l'organisation Kara qui paraît, cette organisation qui paraît plus dangereuse que l'Akatsuki. Peut-être, je ne sais pas encore, mais elle paraît très dangereuse tout comme l'Akatsuki l'était à l'époque. Et on connaît seulement deux membres. Jigen, le chef, et Katin Koji. Donc Katin Koji, je vous en parlerai par la suite. Et il y a un personnage faisant partie de cette organisation. Mais quand j'ai lu le chapitre, j'étais what the fuck, waouh. C'est what the fuck dans le sens, je n'y croyais pas, je n'aurais jamais pensé qu'en fait, on nous a introduit au chapitre 20, voilà. Il s'agit d'Ao, voilà. Ao, qui, je le rappelle, était garde du corps du Mizukage, cinquième du nom, avec Chojuro. Sauf que, il était censé être mort. Le mec était censé être mort lors de la 4ème grande guerre ninja. Il s'est pris la bombe Biju avec le père de Shikamaru et le père Dino. Donc le mec était censé être mort. Le fait qu'on nous... voilà. Waouh. C'était waouh. Vraiment, ce personnage-là, je ne m'y attendais pas. Alors, bon, il a eu des séquelles. Hein. Le mec est devenu assez robotisé. Bon, il a pu son Byakugan, ça c'est... une tournure intéressante, il a perdu son Byakugan lors de la... Il le dit lui-même, il a perdu son Byakugan lors de la 4ème grande guerre ninja. Ça, du coup, bah, il est certes moins fort, mais il faut pas le sous-estimer, parce que le mec, bon, il a les bras, il peut se réparer tout seul, nanana, il est robotisé. Mais il faut pas le sous-estimer, parce qu'il reste quand même très puissant. Un adversaire très puissant, très vieux, hein, il faut l'avouer. Mais ce dont je me suis demandé, c'est que comment est-ce qu'il a fait pour survivre. On sait que c'est Kara qui l'a aidé, mais cela veut dire que Kara était présente à l'époque de l'Akatsuki, à l'époque quand Naruto n'était pas encore Hokage. Ça veut dire ça. Donc je me demande vraiment comment ils ont fait pour le ramener. Est-ce qu'il était mort? Est-ce qu'ils l'ont ramené à la vie ou est-ce qu'il était encore vivant, sur le point de crever? Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit truc? Ça, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment savoir. Comment ils ont fait pour ramener Ao à la vie, ou comment il a fait pour voilà, parce qu'il s'est pris quand même la bombe Biju qui a détruit un village entier, hein, enfin pas un village entier mais une région entière, voire même un pays, hein, voilà. Et aussi ce que je me demande, c'est que s'il a survécu, je ne serais pas surpris à ce que ce soit la même chose pour le père de Shikamaru et le père Dino, qui font peut-être partie de l'organisation Kara, dont on ne nous les a pas encore introduits, mais peut-être qu'ils font partie de l'organisation Kara. Ça c'est une petite théorie que je me pose dans ma tête, d'ailleurs dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Mais voilà, donc c'est tout pour ce chapitre, ben, pour la petite récap où en fait Boruto va affronter Ao. Voilà, et on a la conclusion de ce combat dans le chapitre 22. Donc dans ce chapitre 22, nous avons toujours la suite et même la fin du combat Ao contre Boruto, où bon, Konohamaru va être très vite mis hors de combat, ce dont il ne sera plus que Boruto. Bon, Sarada, elle va un petit peu aider avec son katon, Mitsuki aussi,
mais les deux vont être assez ils vont être mis de côté, les deux vont être mis de côté pour laisser place au combat uniquement de Boruto face à Ao. Un combat qui est quand même très dur pour Boruto, parce que Boruto n'a pas l'habitude de ce genre d'adversaire là, surtout qu'il connaît son père, surtout que Ao connaît son père, ça on le sait. Mais ce dont j'ai hâte, c'est comment... Enfin, je vous expliquerai à la fin. Mais la fin du combat, donc Ao a été vaincu. Oui, il a été vaincu. Il s'est pris l'orbe tourbillonnant de Boruto. Ça m'a fait un petit peu penser quand Naruto a vaincu Kabuto. Quand Naruto jeune, à peu près l'âge de Boruto. Quand Naruto avait mis un Rasengan à Kabuto. Lors de la confrontation Jiraiya et Tsunade face à Orochimaru. Et nous avons un petit peu le discours de Naruto, de Boruto, ouais bah tu sais quoi, t'es pas un objet en gros. Il résonne quelque part un peu ce que pensait Ao, parce que Ao est devenu une machine, il est devenu, voilà, il est insensible, il pue d'émotion. Donc il essaie un petit peu de lui faire comprendre tout ça, qu'il n'est pas un objet, que c'est avant tout un être humain. Bon voilà, il tient ça de son père, hein. On le sait, il tient ça de son père Naruto. Sauf que on pensait que tout irait bien à la fin de ce chapitre, voilà, qu'il n'y aurait pas de couilles et tout. Sauf que là, Ao, quand il a écouté le discours de Boruto, il voit qui? Il voit Kōchin Kōji. Kōchin Kōji. Et là, t'as Kōchin Kōji, il fait une invocation. Il invoque un crapaud. Mais what the fuck? Un antagoniste qui invoque un crapaud, c'est la première fois qu'on voit ça, même dans l'univers Naruto. Parce que on connaît un crapaud du monde Gyoboku. Ça, j'ai très très hâte de savoir tout ça. Parce qu'on connaît Hagoromo, Konohamaru, Naruto et Jiraiya. On connaît ces 5-là. Peut-être une 6e personne, bon bref. Et ce dont... il fait, donc il invoque et il se prépare à attaquer Boruto. Putain, je confonds Naruto Boruto. Il attaque Boruto, sauf que là, t'as Ao, je m'attendais pas, il utilise Suiton et il enlève et il met de côté Boruto. Et du coup, il se prend l'attaque du crapaud. Et c'est la fin pour Ao. Donc, j'étais au coup, waouh. Donc, ce dont j'espère vraiment, c'est que il est peut-être mort hein, là. Mais j'espère qu'on va quand même nous expliquer comment il a fait pour revenir à la vie, comment il a fait pour devenir comme ça. Voilà, j'ai envie de savoir. Moi, j'ai envie de savoir. Donc, c'est un combat qui a été très intéressant. Et à la fin, tu vois, Kōchin Kōji, cheveux argentés, une petite barbe, un petit peu des traits qui fait penser à un certain personnage qu'on connaît tous très très bien. Et qui dit, bonjour Boruto, j'aimerais te parler. Et ce dont le chapitre se termine là, par peut-être une future confrontation face à Kōchin Kōji. Ce dont je pense, je connais déjà la tournure, je pense qu'ils vont clairement perdre. Ils vont pas mourir, certains, donc l'équipe de Konohamaru plus Katasuke, ils vont pas mourir, mais ils vont perdre ce combat. Bah, déjà la fatigue, Konohamaru qui est peut-être plus en état de se battre, ils vont être très très mal, à moins qu'il soit juste une discussion pour après se barrer. Bon. Voilà. Et ce dont j'ai pensé de ce chapitre, je l'ai trouvé, c'est un chapitre vraiment excellent. Il s'est passé énormément de choses, des choses dont je ne pensais pas que cela se produirait ainsi. C'est waouh. Et surtout, le personnage, ce dont cela m'intrigue beaucoup, déjà, c'est comment Ao, je le répète, mais comment Ao a survécu. Ça, j'ai envie vraiment de savoir. Est-ce que le père de Shikamaru et le père d'Ino ont aussi survécu à la bombe Bijou? Est-ce qu'ils font partie de l'organisation Kara? Toutes ces questions, je me pose. Mais c'est surtout, qui est Kōchin Kōji? Est-ce que cela pourrait être Jiraiya? Parce qu'il a les cheveux argentés, il a beaucoup d'éléments qui montrent que ça pourrait être lui. Notamment dans Shippuden. Bon, on l'a vu tomber dans l'eau. On a vu son bras gauche, mais son bras gauche. Peut-être que c'est Kara qui a sauvé Kōchin Kōji. Enfin, peut-être si c'est Jiraiya, peut-être que c'est Kōchin Kōji. Enfin, peut-être que c'est Kara qui a sauvé Jiraiya. Qui a peut-être sauvé Jiraiya. Ils ont peut-être réussi à sortir son corps, à réparer son bras comme ils ont fait pour. Ao, hein, qui est devenu assez mécanique. Je me demande vraiment tout ça. Est-ce que cela pourrait être Jiraiya? Je pense que oui, ça pourrait être Jiraiya. Bon, dites-moi tout hein, dans les commentaires, vos théories et tout. Mais pour moi, ça pourrait être clairement Jiraiya. Il y a moyen. Bon, ça. Il y aurait beaucoup de questions de what the fuck, ça tuerait le personnage vu qu'il a une fin tragique. Mais n'empêche, si c'est pas lui, n'empêche que Jiraiya, je reste convaincu à ce qu'on le revoie dans Boruto. Peut-être en fantôme, ou si ça se trouve,
je vais en revenir à ma deuxième théorie, c'est peut-être un frère ou un membre de la famille ou quelqu'un même du clan, parce qu'on connaît pas le nom du clan de Jiraiya, c'est peut-être quelqu'un de son clan. C'est peut-être vraiment quelqu'un de son clan. Et si c'est le cas, c'est peut-être quelqu'un attaché à Jiraiya. Donc peut-être que le cadavre qu'on a vu un peu plus tôt, peut-être qu'il s'agit du cadavre de Jiraiya. Peut-être. Si c'est pas Jiraiya lui-même, c'est peut-être son cadavre. Il y a moyen, franchement, il y a moyen. Après, sinon, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Ça se trouve, comme j'ai dit, si c'est. Ça pourrait être la sixième personne qui a été au monde beaucoup. Mais je vois mal vraiment quelqu'un. Ça se trouve, c'était quelqu'un de gentil qui est devenu méchant. Mais je vois mal quelqu'un qui était déjà méchant, avoir des mauvaises intentions, aller au monde beaucoup. Comme ça, hop, je vais tuer, je suis un connard. Nanana. Je vois mal ça. Je vois mal ça. Je pense que. Si c'est pas Jiraiya, c'est quelqu'un qui a été forcément gentil, qui a été transformé, qui est devenu d'un coup méchant. Je pense que c'est ça, où le monde Myoboku a été mis en miettes, voilà, avec le sage crapaud. Voilà, mais qui est vraiment Kojin Koji? Moi, je pense, j'ai très très hâte, je suis très hypé pour la suite de Boruto, mais il y a moyen que ce soit Jiraiya. Mais pour moi, il y a vraiment moyen. Donc dites-moi tout dans les commentaires, vos théories, ce que vous pensez, ce que c'est. Est-ce que pour vous, Kojin Koji est en fait Jiraiya Koji? Peut-être son nom, hein, qui sait, parce qu'on connaît pas non plus le nom de Jiraiya. Peut-être le nom du clan de Jiraiya, qui sait. Mais il y a moyen qu'on voit au moins, on nous reparle de Jiraiya. Si t'es pas lui, t'es forcément obligé de reparler de lui pour moi. Il y a trop de similitudes. Pour moi, il y a trop de similitudes. T'es obligé. Voilà, donc c'est tout pour ce chapitre 22 de Boruto. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un like, un commentaire et surtout à t'abonner. Laisse-moi en commentaire si tu as envie que je parle des prochains chapitres de Boruto qui sortira début mai. Quant à moi, je me casse. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, Jana. Everybody in this fucking room, yellow's gang. Because we can fuck with you, yellow's gang. Fuck everybody in this fucking room, yellow's gang. Because we can fuck with you, yellow's gang. Because we can fuck with you, yellow's gang. Because